Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Et salut l'ami, j'espère que tu vas super bien. J'ai une petite vidéo pour toi de monsieur Bruno Le Maire. Allez. Sois attentif. Lisez. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. Lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Les écrans vous vident, les livres vous remplissent. C'est toute la différence. Alors évidemment que c'est un combat, parce que l'écran, c'est la facilité, on est capté, l'attention est captée. Puis en plus, ils sont tellement bien organisés, ça fera le lien avec les GAFA, qui savent vous donner, exactement comme on le fait pour les rats, des petits stimuli nerveux, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, qui vous obligent à continuer à rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté. Et je termine par là, parce que c'est aussi une conviction très forte chez moi. Les écrans, trop souvent, peuvent devenir, pas toujours, je ne parle pas des écrans de cinéma, je parle des écrans des géants du digital, peuvent devenir des instruments d'asservissement. Vous pouvez être asservi dans votre consommation, dans votre comportement, dans vos pratiques, dans vos gestes, par des écrans qui sont formatés pour orienter votre pensée. La littérature, elle, elle vous donne de la liberté. Les mots vous donnent la liberté pour vous construire et être ce que vous êtes. Vous êtes chacun unique. Chacun. Et bien, la littérature vous permettra, et les livres vous permettront, de découvrir à quel point vous êtes unique et à quel point vous ne ressemblez à personne d'autre. C'est ça ce qui fait l'humanité. Chaque personne est unique.